FAQ, j'aimerais vous dire quelques petites infos concernant mon générique. Donc j'étais censée mettre le générique de Miss Fragilove, mais en fait il y a eu des petits bugs, donc en fait j'ai réussi à le mettre sur mon ordi et tout. Mais il y a eu un petit problème, j'ai pas trop compris ce que c'était. Et en attendant de résoudre le problème, je vais devoir laisser ce générique, celui que j'ai mis là. Et je te promets, si tu regardes cette vidéo, Miss Fragilove, que je te mettrai mon générique une fois que le problème sera résolu. Ensuite, j'ai une deuxième info concernant ma dernière vidéo qui était sur ma custom. Je savais pas si je la customisais ou pas. Et j'ai fait mon choix car j'ai eu des commentaires très vite comme quoi c'était une très bonne chose de la customiser. Donc du coup, bah, je vais la custo. Donc voilà. Et en fait, j'étais vraiment contente parce que il y avait vraiment des très bons avis comme quoi c'était une bonne chose. J'ai regardé pas mal de vidéos de custo. Il y a des très bons résultats, vraiment. C'est vraiment des bonnes choses, sachant que ma habit j'utilisais pas souvent, et donc du coup bah j'espère que ça va faire quand même ma upsell, que je vais plus utiliser et que je vais plus m'en servir et tout et tout. Donc voilà, donc du coup bah je vais la custo et je pense que je ferai une vidéo pendant que j'ai la custo, donc voilà. Et bien sûr je ferai sa review. Et j'ai décidé de lui attribuer le prénom Ice. Parce que je trouvais que c'était vraiment un beau prénom et quelqu'un a dit que c'était, qu'il préférait ce prénom-ci. Et c'est vrai que moi aussi, par rapport à Amélia, c'est déjà mieux. Bon, sans plus attendre, passons à la deuxième partie de ma FAQ. Je vais commencer avec les questions de Frankie Espetra. Alors, aimes-tu les pulis? Aimes-tu les pulipes? Oui, mais j'aimerais en avoir, mais ça coûte trop cher, alors je vais jamais en avoir. Voilà. T'as fait le Ice Budget Challenge. Je sais pas ce que c'est en fait. Je crois que c'est le machin que Squeezie a fait, mais en fait je sais pas du tout. Alors non. Peux-tu nous montrer tes yeux? Bien sûr. Je vous présente maintenant l'œil de Lolo Monster H. C'est vachement intéressant. Waouh. Alors, donc ton parfum préféré. Alors mon parfum préféré c'est celui-ci. Donc le Monaille de Yves Rocher. Voilà. Il sent la vanille, ils sont trop bons. Ensuite, le prénom que tu rêves d'avoir. Alors le prénom que je rêve d'avoir, en fait, je pense que ce serait plutôt du style japonais. Donc Yumiko, Yuki et tout. Je trouve ça mais trop kawaii quoi. C'est trop chou ces prénoms. Mais je pense plus du style français. Je dirais plutôt Maria ou voilà. Donc, je sais pas trop, mais j'aime bien le prénom en Ya. Enfin, voilà, tu finis Maria et tout. Et j'aime aussi les prénoms japonais. Enfin, j'adore les prénoms japonais. C'est trop, mais trop chou, quoi. C'est, voilà. Donc, merci à toi, Frankie Espetra de... Ah oui, aussi, j'ai oublié une question. Ton plat détesté. Alors je déteste les choux de Bruxelles, voilà. J'avais oublié une question, voilà, désolée. Et donc voilà, merci à toi Frankie Espetra de m'avoir posé cette question. Ces questions, pardon. Voilà. Donc on passe maintenant aux questions. Enfin la question. Enfin le commentaire de Cloud in Love. Alors le commentaire de Cloud in Love est: je connais déjà tout, alors je n'ai pas de question à part tu me donnes Cookie. Alors, j'en ai pas acheté pour l'instant, mais je te promets, quand tu viendras goûter chez moi, je t'en donnerai un, hein, promis. Sinon, non, je te donnerai vraiment jamais Cookie. Non, Cookie, c'est mon hamster, voilà. Je te le donnerai jamais, de toute ma vie, voilà. Donc, merci quand même pour ta question, voilà, bisous. Passons aux questions de Skelita Monster High. Alors, aimes-tu les Monster High à la folie? Oui, vraiment, à la folie. J'adore les Monster High, mais vraiment à la folie, quoi. Quel est ta Monster High préféré? Laguna. Pourquoi aimes-tu les Monster High? Alors, parce que je trouve ça vraiment une idée assez originale de la part de Mattel de faire la fille des monstres, parce que, voilà. En même temps, j'aime bien un peu tout ce qui est poupées, miniatures et tout. Enfin, j'aime bien, en fait, créer des trucs en même temps pour les Monster High. Donc quand je parle de ça, en même temps aussi, faut savoir que les Monster High, faut pas confondre avec les Barbie, c'est pas du tout, oh, salut, comment vas-tu, enfin, c'est complètement différent, enfin, voilà. J'espère que vous comprenez pourquoi je dis ça. Et,
En fait, je voulais dire aussi, ce que j'aime bien dans Monster High, c'est les détails, pardon, qu'on peut voir sur cette robe. Il y a plein de détails vraiment génial. Et un truc que j'adore vraiment chez les Monster High, c'est qu'elles ont des articulations vraiment. Ça, j'adore, je peux leur faire plein de poses. C'est vraiment un peu bizarre comme truc que j'aime bien, mais bon, j'adore ça. Et puis, c'est vraiment une très bonne idée de la part de ma tête de faire affiler mon. Ça permet de mieux les connaître, enfin bref. Voilà pourquoi j'aime bien Monster High aussi. Enfin, voilà quoi. Et sixième question. Enfin, c'est pas la sixième, mais voilà. Aimes-tu ma chaîne? Oui, j'adore ta chaîne. J'adore vraiment ta chaîne, ce qui est ta Monster High Family, parce que voilà, j'adore ta chaîne, voilà. Donc, maintenant, passons aux questions. Oui, je veux te remercier aussi, ce qui est ta Monster High, de Monster High Family, de m'avoir posé cette question. Et je réponds maintenant aux questions de Cloud Moon Monster. C'est parti! Alors, la question de Cloud Moon Monster. Alors, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat et un hamster. Aimes-tu faire des vidéos? Oui, j'aime vraiment ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment... J'adore faire des vidéos. Vraiment, j'adore. Voilà. T'as quoi comme passion? Donc les Monster High et les mangas, enfin surtout dessiner les mangas. J'adore vraiment dessiner les mangas et j'adore aussi les Monster High. Alors c'est quoi ton animé préféré? Alors en fait un animé, comme il l'a expliqué dans son commentaire, c'est un manga que l'on voit à l'écran du style Pokémon Yu-Gi-Oh. Donc après il dit que si je parlais du genre Another, je sais pas du tout comment ça se prononce, on connaîtrait pas, donc voilà. Mon animé préféré, donc un manga qu'on voit à l'écran. En fait, j'aime beaucoup du style Pokémon, Naruto et tout. Mais mon préféré, alors ne vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît. C'est un peu un truc pour les enfants. C'est Shugoshara, voilà. Voilà, c'est bon, c'est dit. C'est quoi ton acteur préféré? Alors, mon acteur préféré... C'est je vais vous faire passer, donc c'est Is a Monster, voilà, donc c'est la chanson d'avant, enfin je vais vous la montrer, enfin je vais vous la faire écouter plutôt. C'est la fin de ma FAQ. Merci à toi, Claude Moïse Monster, de m'avoir posé cette question. Claude in Love, Skelita Monster High Family, Frankie Espectra, et j'espère que j'en oublie pas. Voilà, merci à vous de m'avoir posé ces questions. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Tchuuu.